Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la deuxième rencontre de Capitaine. Donc, ces soirées sont là pour qu'on puisse vous transmettre l'information nécessaire à ce que le relais se déroule bien et qu'on réponde à vos questions aussi. Donc, vous avez réalisé que la première partie de la rencontre est vraiment dédiée à ça. Et par la suite, si vous avez d'autres questions plus personnelles, on est disponible aussi à la fin de la rencontre. On est là aussi pour vous motiver et surtout vous rappeler que votre rôle est essentiel. Sans capitaine, on n'aurait pas de relais. Donc, vous êtes là, vous êtes les courroies pour motiver les marcheurs. Vous allez être à peu près une centaine à vous impliquer comme capitaine cette année au relais pour la vie de Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous allez avoir à peu près 1500 marcheurs qui vont dépendre un peu de vous. Donc, c'est important que vous soyez là et pour les motiver et leur transmettre l'information. Je sais que les capitaines d'expérience, des fois, passent par-dessus quelques rencontres. Il n'y a pas tant de nouveautés que ça. Par contre, le fait que les capitaines d'expérience soient présents avec vous, je trouve que c'est stimulant. Vous pouvez jaser entre vous, apporter quelques idées différentes. Je sais qu'il y en a qui se sont impliqués un peu tantôt pour parler à des nouvelles personnes. Je l'ai mentionné tantôt, étant donné qu'on vous utilise comme courroie d'information, par rapport à l'identification et le développement de l'esprit d'équipe pour se préparer à l'événement, je vous suggère fortement de faire au moins une rencontre avec les membres de votre équipe. Et il y a les petites tâches aussi, donc l'installation du site la journée du vendredi, de ramasser le samedi matin et de peut-être pour passer la nuit. C'est des choses importantes auxquelles il faut penser. Sur le site, on veut qu'il y ait un peu une ambiance de fête. On veut que ce soit joyeux. Donc, on vous demande de décorer vos sites. Alors, et le chapeau vert, c'est l'exclusivité, je vous le dis. Il est sur la pancarte actuellement, la nouvelle pancarte de cette année. On a les chapeaux verts qui sont sur l'affiche. Et l'autre avantage qu'on trouvait, nous autres, c'est qu'on se promène sur le site. Nos joueurs, on peut les reconnaître à peu près partout où ils sont. Avec les petits chapeaux, on les voit. Ah, il y en a trois là, il y en a deux là, il y en a quatre là. Tout le monde, là, à l'année, a apporté de la neige. C'est beau. On a notre relais, c'est le petit bâton qui est vraiment toujours sur la piste. Donc, les marcheurs sont attitrés autour de... On marche par demi-heure, donc heure. Donc, on se le passe, puis il est toujours dans les mains du marcheur officiel. Ben, moi, je viens du monde de construction. On a des bagues, des chapeaux, puis des potes. On s'est fait un cri, on est quatre gars. Ben, c'est Team Rainbow. OK, super. Fait qu'on va tous reconnaître. Ces deux feuilles-là devront nous être remises lorsque vous aurez à faire vos rapports de capitaine. Vous nous rapportez les deux feuilles. Et puis, évidemment, bon, on vous demande toujours de bien compléter lisiblement. En haut, le nom de l'équipe, le nom du participant. À droite, on a le nom du capitaine et la date que vous avez complété ça, c'est pas la date du relais, là. C'est la date que l'on remet cette feuille-là. Ce qui est bien important, c'est de bien identifier le nom de la personne à qui le luminaire est dédié et un seul luminaire, un seul nom par luminaire. On voit souvent là, la famille au complet, papa, maman, mon oncle Gérard, tous le même luminaire. C'est un seul nom par luminaire. Et on vous demande aussi, et ça c'est une question de électronique plus qu'autre chose, de mettre un message très court, parce que nous c'est tout retranscrit à l'ordinateur et l'étiquette va couper votre message. Même si on l'inscrit tout nous dans le formulaire, l'ordre d'impression ça va être coupé. Vous allez peut-être retrouver deux premières fois, ça va être tout. Donc un message très court de 2, 3, 4 mots, là. Je t'aime papa, c'est assez trouvé. Fait qu'on vous demande d'être très vigilant là-dessus et d'avertir vos marcheurs parce qu'il y en a qui partent avec 400 km, des chambres de place, ils font un beau petit montage. Et on a des équipes, combien on a de bénévoles, la ligne, une quarantaine à peu près, qui travaillent à partir de 6-7. Qui, oui, ils vont vous commanditer, oui, ils vont vous donner de l'argent, ils vont vous acheter des lunettes, ils vont vous encourager. Fait que vraiment, par Internet, ça va super bien. Puis maintenant, cette année, ils ont vraiment changé la plateforme. C'est beaucoup plus friendly user.
Donc, c'est super facile. Je ne sais pas s'il y a des nouveaux capitaines qui se sont inscrits en ligne. De n'importe qui peut soit renommer une ancienne équipe ou soit en partir une nouvelle de maintenant. Il me ramasse de l'argent, il est participant. C'est participant pour vous dans votre équipe? Pour moi, mais il ramasse de l'argent bon, à Québec. J'ai un autre participant dans la région de Baliffé aussi, qui est ma sœur, qui aussi me ramasse de l'argent pour mon équipe. Yep. Et je veux aussi créer cette année un événement justement sur Facebook pour ramasser de l'argent. Je l'ai fait l'année passée, je vous invite à aller voir les autres relais aussi, ils ne sont pas tous la même date. Allez voir, vous allez voir qu'à Saint-Jean, c'est un quand même un beau relais, un gros relais. Puis c'est sûr que nous, on a des papillons, il n'y en a pas ailleurs non plus nécessairement des papillons, donc c'est des choses différentes comme ça. Donc, on a parlé de commanditaire. Oui, c'est possible que vous puissiez vous faire commanditer vous en sur. Exactement. Donc, c'est une King, c'est une King Size, le plus grand format, et ça a été confectionné avec les chandails. Vous savez que les logos sur les chandails changent à chaque année. Puis moi, je suis bien fière d'avoir pu la faire avec des pieds, parce que cette année, vos chandails seront avec trois encadrés, un peu comme qu'il y a eu là, 2 ans ou 3 ans. Un local, les bénévoles sont accueillis, les gens sont accueillis par les bénévoles, puis au fond de... Là, à cause qu'on n'avait pas le choix, les camions de la ville qui nous aidaient beaucoup sur l'emplacement du site, qui avaient les premiers soins. Or, cet axe-là va être réservé strictement aux véhicules prioritaires qui doivent passer par les clôtures ici pour aller sur le site-là, dépendant où est-ce qu'on débarque les produits ou les biens, entre autres les cuisines, tout ça. Et un axe prioritaire, par contre, les piétons. L'autre chose qu'on a voulu privilégier, on comprend que les gens veulent... Il n'y a pas de voiture qui doit circuler sur la piste ou autour de la piste, sauf exceptionnellement, on a des tapis ici pour installer des camions qu'on ne peut pas faire de transbordement sans lui donner accès au coin. Alors, ils sont avertis qu'évidemment, il faut que ça soit fonctionner de façon contrôlée. Bonne soirée à tout le monde. Je sais qu'après votre journée de travail, ce n'est pas évident s'en venir ici avec toute l'application que ça fait, mais je suis comme que... Emmanuel dit, j'essaie de vous booster, vous amener dans un mood de dire, regardez, je sais que vous ne le faites pas pour rien, mais vous avez quelqu'un, si vous êtes ici, vous avez quelqu'un à cœur, dans votre tête, qui dit, je le fais pour telle personne, ou je le fais pour moi, ou je le fais pour un conjoint, ou quelqu'un même qui est décédé. Qui je suis, il y en a plusieurs qui ne me connaissent pas encore. Je suis propriétaire de la résidence Saint-Jean-sur-Richelieu, lorsque les soins palliatifs ici à Saint-Luc. Je suis le fondateur, je suis né ici à Saint-Luc, j'habite encore à Saint-Luc, j'allais à la petite école Sacré-Cœur qui est là, de la Providence, sur le bord de la rue. Écoutez, je suis du milieu, je tiens beaucoup, beaucoup à la cause. Je suis personnellement touché par mon épouse qui est ici en salle, qui vit des événements comme vos proches aussi, ou vous les vivez. Et c'est grâce, et je dis souvent, c'est grâce à la recherche, grâce aux dons, aux sous que vous ramassez, à l'argent que vous allez. C'est grâce à ça que, moi personnellement, que mon épouse est encore avec moi. Ça fait 23 ans qu'on est ensemble, puis j'espère de faire encore plusieurs années, beaucoup d'années, mais c'est entre autres pour ça. Et je crois que chacun dans votre tête, vous avez quelqu'un qui dit, moi je le fais pour telle personne. Thank you.
Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette conférence de presse pour le relais pour la vie de Saint-Jean-sur-Chaillieu. Cette année, le 7 juin, ici même au complexe sportif Claude Raymond, piste Pierre Larose. Donc, jusqu'à maintenant, plus de 90 équipes qui sont confirmées. On est très heureux. Avec moi, quelques membres du comité organisateur. Audrey-Anne Leclerc, responsable de la programmation sur le site. Nancy Gilbert, responsable aux équipes, Stéphane Mathieu, notre président d'honneur, et Jean Lamoureux, responsable de la sécurité sur le site. Donc, je vais laisser la parole à Nancy, qui va nous parler un peu, qui est toujours le temps de s'inscrire pour le Relais pour la vie. Donc, je vous laisse la parole, Madame Gilbert. Bonjour, merci. Emmanuel a mentionné qu'il y avait déjà 90 équipes qui ont confirmé leur présence. Notre objectif, c'est 100 équipes. On est capable d'en prendre beaucoup plus, donc je ne voudrais pas que ça vous coupe l'envie de former des équipes. Former une équipe, c'est assez simple, c'est rassembler des gens autour de vous, des collègues de travail, des membres de la famille, des amis, nous voir, nous rencontrer. On vous donne de la documentation pour vous aider dans la levée de fonds. Donc, il y a des rencontres préparatoires, il y a un grand comité qui est là pour vous soutenir. Vous devez ramasser des fonds, un minimum de 100 $ par personne, donc 1000 $ par équipe. Et on se rassemble le 7 juin tous ensemble pour souligner, dans le fond, les efforts qu'on a remis et célébrer ensemble la lutte contre le cancer. Pour nous rejoindre, les coordonnées, le site Internet, c'est ce qu'il y a de plus facile pour s'inscrire en ligne, relaispourlavie.ca. Et sinon, Emmanuel, tantôt, vous donnera le numéro de téléphone où c'est simple de nous contacter aussi. Merci, Mme Gilbert. Donc, le site cette année, au niveau de la programmation, nous aurons une scène principale. Donc, on est fiers d'accueillir avec nous l'Union musicale pour ce qui est de la portion des personnes surfantes, ainsi que Vox Appella pour ce qui est de la partie des cérémonies des luminaires. Donc, pour la première partie, au niveau des personnes surfantes, nous attendons cette année 300 personnes surfantes, ainsi que 150 aidants accompagnateurs pour faire l'ouverture du site. Puis pour ce qui est des luminaires, nous espérons pouvoir vendre 6000 luminaires cette année. Je vais laisser la parole à Monsieur Stéphane Mathieu qui va vous dire un peu pourquoi il s'implique au Relais pour la vie de Saint-Jean-sur-Chaillieu. Bienvenue et merci au comité organisateur ici présent et tous ceux qui sont dans la salle. Stéphane Mathieu, je suis président fondateur de la résidence Saint-Jean-sur-Richelieu. Je suis très touché par la santé, très touché par le cancer également, parce que le centre de soins palliatifs, j'en suis le fondateur avec le réseau de la santé. Je suis le partenaire majeur aussi du réseau de la santé dans toute la région. Donc, tout ce qui s'appelle désengorgement d'hôpital et tout, donc ça, c'est mon bébé. Je suis natif de Saint-Jean, des Sainte-Thérèse, je suis encore là, et c'est tout du monde qu'on le fait. Mon implication est aussi très personnelle par ma conjointe qui se bat contre des cancers. Je dis bien 4 cancers et présentement, elle est encore en traitement. Et à cause de la recherche, à cause des fonds attribués, ramassés par la marche, on continue à faire beaucoup de recherches au Québec. Et c'est à cause de ça qu'elle est encore en vie, c'est à cause de ça qu'elle est encore ici présente. Et on a des nouvelles récentes, au sujet des recherches, que ça va très, très bien. C'est à cause de l'implication de tout le monde. Alors, dans vos équipes, il s'agit de gonfler vos équipes à bloc, il s'agit d'aller en chercher encore plus que le minimum qui est demandé pour que vous êtes tous ici, tous présents et aussi nos téléspectateurs, c'est que vous avez aussi des gens qui vous touchent, des gens qui ont été touchés par ça. Il y a au moins une personne sur 4 qui est touchée, supposément, selon les statistiques. Donc, c'est important de vraiment là, s'impliquer. Je vous remercie beaucoup et tout le monde y va. Le 7, ça va être vraiment une grosse journée. N'oubliez pas une grosse nuit et n'oubliez pas, c'est probablement le plus beau de tout le Québec comme marche du cancer. J'en ai fait d'autres, j'en ai vu d'autres. C'est magnifique. La chaleur qui sort de là, les émotions, tout ça sous contrôle, évidemment. Je vous dis, impliquez-vous, c'est important. Merci. Merci, Stéphane.
Donc, le Relais pour la vie ne pourrait pas exister sans nos nombreux bénévoles, plus de 250 bénévoles lors du 7 juin. Mon comité organisateur, 30 personnes formidables sur qui on peut compter, puis sur qui ils s'impliquent à fond à 150 % à l'année. Donc, merci, cher comité. Vous les voyez pas, mais ils sont tous dans la salle présentement. Merci à vous. Notre objectif cette année au sein du comité organisateur, obtenir 325 000 $. Donc, on va tous réussir à atteindre cet objectif-là, tous ensemble. Donc, cette année, une nouveauté, oui, effectivement, que Mme Guilbert me mentionne, le Relais Plus. Le Relais Plus, c'est une partie au niveau de la nuit, donc qui sera une course offerte aux participants. Je vais laisser Mme Guilbert vous donner plus d'amples informations à ce sujet. En fait, on n'a pas beaucoup donné de détails. C'est le Relais pour la vie, donc on forme des équipes, puis on marche pendant 7 heures de temps. De nuit, de 7 heures le vendredi soir jusqu'à 7 heures le dimanche matin. Mais cette année, suite à certaines demandes, il y a des gens qui aiment mieux courir que marcher. Donc, la dernière section de la nuit, il y aura deux corridors qui seront désignés pour la course. Donc, les gens qui voudront faire du jogging à la place de la marche, la même chose, vous constituez des équipes ou si vous êtes déjà dans des équipes et vous voulez courir cette partie-là de la nuit, donc cette section-là s'appellera le Relais Plus, fait que les gens peuvent aussi s'inscrire en ligne ou nous contacter, la même chose pour former des équipes. Ça pourra être des équipes de 5 ou de 10, là, dépendamment. Si on juge la période de temps qui sera courue, dans le fond, une équipe devra courir environ 40 km pour réaliser l'objectif. Fait que pour avoir un petit peu plus d'informations, puis il y a un autre communiqué de presse qui va sortir bientôt pour donner tous les détails. Une équipe sur le site Internet, vous pouvez aller jusqu'à 15 personnes. En ligne, présentement, il y a l'adresse l'équipe au nom du Relais Plus. Donc, si jamais vous n'avez pas d'équipe, vous pouvez aller vous inscrire directement sur cette adresse-là. Je crois que ça fait le tour de ce que nous l'avons mentionné tout à l'heure. Donc, je crois que ça fait le tour. Nous invitons toute la population à venir nous voir cette année sur le Relais pour la vie. C'est pas un site uniquement réservé aux gens qui s'inscrivent. Donc, venez vous nous visiter, puis vous serez nos personnes qui feront des équipes l'an prochain. Merci à vous. Bonne fin de soirée. Tu restes avec moi, tu me fais ça, un papillon avec quelques... Un sourire. Un sourire avec un enfant. Très beau. J'entends, oui. Film. Yeah! Lily Road. And although this way stringing us along. Ooh, Je vous filme, malgré votre sourire, malgré la température, vous avez un... Oh. Il fait froid. Hey, c'est pas gentil. On vous suivra la caméra. Hey, non, non, on fait tout ça. Hey.
C'est bon? Je sais pas s'il va pleuvoir, j'espère que non. Ben, si c'est comme ça, c'est pas si tant pis. En attendant que ça se fout pour la marche des survivants, ouais. Nous, on va s'arranger. Les lucioles! Les lucioles! Oh, cool! Les films! Oui, j'arrive. Wow. Bien passé. Pas hey, là, il y a tellement de jaune, notre nom, ils sont fous. Oui, oui, c'est oui. Bon. Coucou! Bonjour, ça va bien? Ça va très bien, toi? Ben oui, ben oui! On est prêts pour marcher, les belles. Bon! Courage! Super! Ça va être rafraîchissant, en plus! Oui. Ça ne fait pas peur! Non! Bonne chance! Salut! Ok! Ah, on passe à la télé, là! Ouais, un beau bonjour! Bonjour. Bonne chance! Bon bonne courage! Soirée. Bonne soirée. Toi qui t'honores de moi et de tout, avec ton air, canaille, pas canaille, I deny love you. I love you. Oh, tout ce que j'aime et même le nord. Chacune des fois, moi je dis que je ne suis plus moi. Tout ce que j'aime et même le nord. Et en abonné mon contrôle. Viens m'enlever à ma tête qui oh oh. Je ne veux plus m'endormir. Non, 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 non. Et s'il a un Dieu, s'il est très généreux, j'aimerais, j'aimerais. On met un peu d'animation ici, là, hein? Ouais. On se motive! On se motive! Bonjour! Hein? Bonjour! 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 Chevalier de Colomb, ça tient toujours, ça? Oui. Merci de triper. Alors vous allez voir cette recette. Pour faire disparaître la bouteille de vin, ça prend un tube complètement vide. Je prends le tube, je le mets par-dessus la bouteille, et sans que vous en rendez compte, la bouteille va sortir du tube. Au compte de trois, la bouteille ne sera plus là. Un, deux, là. Ok, j'ai une idée. Ce que je m'appelle. Excusez, c'est supposé être le vin qui est là. Et ça veut dire, je vais prendre les morceaux des papiers des toilettes. J'aurais pas dû faire des loges. Dites bonjour à votre famille, c'est le temps. Oui, à mes amis et à ma famille. Ah. Fais pas ça. Ben, on va le voir, c'est ça. Bonne nouvelle. Ah, c'est... Merci. C'est correct, c'est correct. Ça va être un beau scoop, ça. Oui, c'est ça, vous allez voir là-bas. Allez, allez, on bouge. Voilà, on a vu la main avec les filles. Il manque encore un millier de personnes ici, mais vous allez à la voix d'accord. Déjà le portail que vous êtes mort. On vous aime d'un peu mort, allez, allez.
Donc,
Thank you.
Je vais aller voir le bord de la pluie, je vais aller marcher. Pour sauver du temps, les cons qui prétendent nous comprendre comprennent vraiment que ce qu'ils veulent entendre. Les cons que l'on croyait complices complotent et leur compare vous note d'un chiffre. Les cons qui vous complimentent, ah, merci beaucoup. Puis votre. Il y a les cons qui sont prêts à compromettre. La fille a dit. Oh oui, oh mon Dieu, oh,